Voici l'hippogramme. C'est beau, hein? Dans l'hippogramme, tu devras faire deviner des mots sans prononcer une lettre interdite. Tout d'abord, réunis 2 à 10 personnes dans une même pièce et lance la magnifique application. Deux modes de jeu s'offrent à vous. Dans le mode compétitif, formez 2 équipes et soyez plus rapide que vos adversaires. L'hippo tout mignon que vous voyez là, l'hippogramme, vous l'avez, va se mettre à courir vers une équipe. Pour lui faire faire demi-tour, votre équipe devra trouver le mot imposé sur la carte, tout en évitant de dire la lettre interdite. Par exemple, essaye de faire deviner le mot lunette sans utiliser la lettre C. Tu pourras dire monture, verre, boîte, toilette. Si vous aviez pensé au mot toilette, félicitations, vous êtes très drôle. Cependant, si vous faites erreur en disant branche, par exemple, l'autre équipe actionnera le bouton faute, qui fera sprinter l'hippo dans votre direction, et peut-être leur faire remporter le point s'il arrive en bout de course. L'hippo va de plus en plus vite, et la musique, composée par le grand PV Nova, vous mettra bien la pression comme il faut. 3 modes de difficulté sont dispo en fonction du niveau de talent que vous pensez avoir. Si vous préférez œuvrer tous ensemble, le jeu propose également un mode coopératif. Vous devrez réussir plus d'une quarantaine de missions, toujours à la difficulté croissante. Et croyez-moi, il y a des niveaux bien chauds. Mais pour vous récompenser de tous vos efforts, des tonnes de succès sont à débloquer, des modes de jeu secrets, ainsi que des éléments de customisation pour votre hippo. Si c'est pas trop classe, ça? L'hippogramme, c'est un jeu de Pierrick et Renaud, libre à l'essau, gribouillé par Pierrot. Ça fait beaucoup de rimes en haut, non ?